Alors, la science qui nous permet de contrôler une machine naturellement instable comme ce drone s'appelle l'automatique. Plus généralement, l'automatique a pour but de concevoir des mécanismes qui permettent au système dynamique de s'autogouverner. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu plus de ce que fait un automaticien comme moi, et puis mettre cette explication aussi dans le contexte plus général d'un phénomène technologique relativement récent qu'on appelle fréquemment l'Internet des objets. Alors pour comprendre l'origine les principes de l'automatique, on peut retourner à la fin du XVIIIe siècle, lorsque l'inventeur écossais James Watt met au point une machine à vapeur qui deviendra un des principaux éléments permettant la révolution industrielle au siècle suivant. Cette machine utilisait une source externe de vapeur pour alimenter un moteur qui fait tourner ici une roue sur mon exemple. Watt faisait face en particulier au problème suivant: comment maintenir la vitesse de la roue constante alors qu'il est très difficile de contrôler précisément le débit d'arrivée de vapeur dans le système. Alors, en 1788, il résout ce problème grâce à un système révolutionnaire à l'époque qui consiste en fait à ajouter ce qu'on appellerait aujourd'hui à son système un capteur pour mesurer la vitesse de la roue, ainsi qu'un mécanisme pour exercer une action sur la valve d'entrée de vapeur, rebouclant ainsi le système sur lui-même. Alors, la machine devient alors capable de s'autoréguler. Lorsque la roue tourne un peu trop vite, le capteur le détecte et le mécanisme va fermer la valve d'entrée de vapeur. À l'inverse, lorsque la roue tourne trop lentement, le mécanisme va ouvrir un peu plus la valve pour alimenter le moteur. Alors avec le régulateur de Watt, on a un exemple historiquement important de ce qu'on appelle une boucle de commande, une boucle de rétroaction. Et ces boucles vont toujours comprendre d'abord un système à contrôler, ici notre moteur et la roue. Ensuite, un capteur pour mesurer quelque chose sur ce système, un ou plusieurs capteurs, ici la vitesse de la roue. Et enfin, un contrôleur qui va utiliser la ou les grandeurs mesurées par le capteur pour exercer une action régulatrice sur le système de départ et, par exemple, augmenter son efficacité, sa performance ou sa robustesse. Alors, le régulateur de Watt était purement mécanique. Aujourd'hui, par contre, les systèmes de commande sont plutôt implémentés sous forme électronique ou logicielle, comme sur notre drone, par exemple. Alors, ces systèmes de commande sont en fait partout autour de nous, même s'ils sont souvent invisibles. Ils font en fait voler nos avions, ils contrôlent le moteur ou le système de freinage dans vos voitures, ils régulent la température dans un building comme celui-ci ou les procédés chimiques dans nos industries. Et les systèmes électriques, les réseaux électriques sont peut-être les systèmes régulés les plus complexes jamais construits. Ici, il s'agit pour le système de commande de maintenir la fréquence du signal électrique à 60 Hz partout dans des réseaux interconnectés qui peuvent couvrir des continents entiers avec des variations tolérées sur la fréquence extrêmement faible. Alors, ces exemples montrent aussi que les boucles de commande contrôlent aujourd'hui des systèmes souvent dangereux, en tout cas dont le fonctionnement doit être maintenu. Le fait que ces systèmes ne tombent finalement que rarement en panne est à mettre sur le compte de méthodes de conception développées par les automaticiens depuis Watt, qui sont extrêmement rigoureuses, fondées sur la logique et les mathématiques, et qui accordent surtout une place de première importance à la notion de fiabilité, de stabilité et de robustesse des systèmes, avant même d'aller chercher à optimiser leur performance. Alors aujourd'hui, nous sommes peut-être à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle qui promet l'émergence de réseaux de machines automatisées dont la complexité pourrait largement dépasser celle des systèmes que je viens de mentionner. Cette révolution est d'abord permise par la miniaturisation et l'intégration des capteurs et des systèmes de communication et des calculateurs. Pour prendre l'exemple de notre drone de tout à l'heure, il pèse juste 30 grammes et pourtant il contient plus de puissance de calcul qu'un ordinateur de bureau d'il y a quelques années. Il a à bord aussi tout un ensemble de capteurs qui lui permettent de s'orienter dans l'espace et un système de communication avec lequel il se connecte aux balises que vous voyez autour de moi pour trianguler sa position. Donc de plus en plus, nous avons cette capacité de connecter des réseaux de capteurs intelligents, finalement de doter notre environnement d'un véritable système nerveux central. Alors ça peut être des réseaux locaux ou des réseaux même à travers Internet.
Et donc ces réseaux vont nous permettre de refermer des boucles de commandes à des échelles toujours plus grandes pour construire des systèmes toujours plus complexes. Alors en même temps, il faut savoir que les méthodes et les principes qui vont nous permettre d'utiliser efficacement et de manière responsable cette technologie sont encore pour beaucoup aujourd'hui à inventer. Alors je voudrais être un peu plus concret et qu'on regarde ensemble le problème de contrôler un système complexe qui, dans mon exemple, va être le système de le trafic routier, disons à l'échelle d'une ville comme Montréal. Et c'est un sujet d'ailleurs qui est remis au goût du jour aujourd'hui par la prolifération des capteurs et des sources de données. Alors dans ce système, le système à contrôler ici est un ensemble extrêmement complexe, constitué essentiellement de toutes les voitures sur le réseau routier. Et nous-mêmes, les usagers, nous faisons partie intégrante maintenant du système. Ensuite, comme d'habitude, on a besoin de capteurs pour mesurer quelque chose sur ce système. Alors les capteurs traditionnels sont intégrés dans la chaussée et ce qu'ils font, c'est qu'ils détectent et ils mesurent le passage des voitures. S'y ajoutent aujourd'hui les caméras de surveillance. Et de plus en plus, on a aussi des applications qui existent ou qui vont exister pour demander aux usagers eux-mêmes de fournir de l'information sur le trafic en envoyant leur position et leur vitesse dans le trafic et peut-être l'état des routes là où ils se trouvent, par exemple. Enfin, on peut imaginer ici pour cette application que toutes ces données vont être collectées et fusionnées à un contrôleur, à un centre de calcul qui va implémenter le contrôleur. Alors, ces ordinateurs vont estimer l'état du trafic en temps réel et vont pouvoir prendre des décisions sur la façon de réguler le trafic, de diriger les différents flux, de contrôler les feux de circulation, etc. Alors, à travers cette application, cet exemple d'application, qui est en fait décrite un peu de manière naïve ici, on va le voir, je voudrais mentionner dans le reste de ma période ici trois défis qu'on doit relever pour développer un tel système de manière un peu plus réaliste. Alors, premier défi, on parle souvent des gains de productivité qui pourraient être permis par l'utilisation de plus d'objets connectés, mais notre premier défi en automatique, c'est toujours de maintenir la fiabilité et la robustesse de systèmes de commandes toujours plus grands et complexes. Alors on sait par l'expérience et même par la théorie que si on va chercher uniquement à optimiser la performance d'un système, on peut le rendre en même temps plus fragile et plus susceptible à des pannes importantes. Donc dans notre système de gestion de trafic, ce qu'il va falloir faire, c'est arriver à le concevoir de manière à pouvoir démontrer avant qu'il soit déployé qu'une panne locale ou une situation imprévue localement ne va pas aboutir à une panne généralisée de notre système. En plus de ce genre de problème, il faut regarder aujourd'hui aussi la sécurité des systèmes de commande qu'on met en réseau, parce qu'ils deviennent des cibles privilégiées des attaques informatiques. Alors en 2008, en particulier, on a découvert un virus qui était peut-être le premier virus à s'attaquer, à viser spécifiquement les infrastructures physiques. Dans ce cas particulier, les contrôleurs de certains moteurs industriels. Alors, ce virus a été baptisé Stuxnet. Ce qu'il faisait, c'est qu'il installait un programme entre le contrôleur qui est implémenté en logiciel d'une part, et puis le système physique, c'est-à-dire les moteurs avec leurs capteurs d'autre part. Et il envoyait des commandes erronées aux moteurs, les faisant s'emballer. Et en même temps, il simulait des données normales des capteurs, empêchant ainsi le contrôleur de détecter qu'il y avait un problème. Alors notez que cette attaque est complètement générique, elle peut s'appliquer à n'importe quel système de commande, y compris notre système de gestion de trafic, une fois que les communications avec le centre de calcul ont été détournées. Donc une des choses qui préoccupe le plus aujourd'hui les groupes de recherche en automatique, c'est de savoir comment améliorer globalement la résilience de ces grands systèmes connectés, comment détecter rapidement qu'il y a une défaillance, voire qu'une attaque est en cours, et finalement, comment prouver le plus possible qu'un système est sûr avant de le déployer physiquement. Deuxième défi, maintenir la confidentialité des données des utilisateurs qui sont collectées par tous ces capteurs. Alors, le problème, c'est que les problèmes de confidentialité sont souvent assez difficiles à appréhender intuitivement, parce qu'en général, ils ne sont pas dus à une seule application particulière, mais plutôt à la possibilité de recouper entre elles des sources de données différentes. Alors pour revenir à mon exemple de trafic, on sait que les données de position qui pourraient être envoyées par les usagers à travers leur téléphone cellulaire sont extrêmement difficiles à anonymiser. Et en particulier, retirer des identifiants évidents comme un nom, etc., d'une base de données qui contient des positions est clairement insuffisant. Alors ce qui se passe,
c'est qu'une personne peut être identifiée avec quasi certitude à partir de son historique des positions. Et en fait, même si cet historique est très approximatif, il suffit de savoir quels sont les deux ou trois quartiers que cette personne fréquente le plus. Ça va correspondre au quartier où cette personne habite, là où elle travaille et peut-être là où elle fait ses courses. Et aujourd'hui, ces informations sur votre adresse, sur votre lieu de travail sont disponibles sans trop d'efforts sur à peu près chacun d'entre nous. Donc, alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, le principe qui prévaut, c'est de collecter les données d'abord et puis de se demander ce qu'on va faire avec ensuite. À mon sens, il faudrait qu'on change de paradigme et qu'on aille vers un modèle où les données de chaque individu sont protégées et inaccessibles par défaut, et où divers mécanismes obligeraient les compagnies à demander et utiliser nos données uniquement dans des buts précis et clairement spécifiés. Alors, cette prolifération de capteurs tout autour de nous pousse par exemple mon groupe de recherche aujourd'hui à revoir nos algorithmes de traitement de données pour contrôler précisément la quantité d'informations personnelles et individualisées qu'ils utilisent. Et avec de tels algorithmes, on peut on peut imaginer un nouveau modèle économique où vous redevenez vraiment propriétaire de vos données et où, pour prendre juste un exemple, vous pourriez être récompensé financièrement ou par une meilleure qualité de service en fonction de la quantité d'informations personnelles que vous êtes prêt à fournir à une application. Enfin, dernier défi que je mentionnerai pour aujourd'hui, la complexité intrinsèque des systèmes qu'on cherche à contrôler et qui se manifeste, qui est liée à la taille de ces systèmes et à la présence de la composante humaine. Je vous rappelle que nous sommes dans le système à contrôler. Alors, le fait est que nous sommes beaucoup plus difficiles à modéliser et beaucoup plus imprévisibles que le moteur de la machine de Watt. Et en particulier, à l'inverse des machines, nous agissons librement et généralement pour maximiser notre bien-être personnel et pas nécessairement celui du groupe dans son ensemble, comme cherche à le faire le contrôleur. Donc, une question fondamentale qui se pose aux automaticiens aujourd'hui, comme moi, qui s'intéressent à la commande des grands systèmes complexes, c'est de savoir comment modéliser, implémenter et anticiper l'impact qu'une stratégie de commande aura sur une infrastructure complexe comme le réseau routier, avec laquelle une foule de gens interagissent. Alors, pour s'aider, une source d'inspiration vient en fait de la biologie, où on trouve de grands systèmes complexes formés d'individus, chacun égoïste, mais qui en groupe sont tout de même capables de former des structures macroscopiques remarquables. Inspiré par ces phénomènes, il y a une dizaine d'années, des collègues automaticiens de Polytechnique et de l'Université McGill ont développé une nouvelle théorie qu'on appelle théorie des jeux à champ moyen, qui s'intéresse en premier lieu à l'état et au mouvement macroscopique d'un groupe, comme ce cône ici, qui est beaucoup plus prévisible que le mouvement aléatoire de chaque individu. Alors, dans notre exemple de trafic, cet état macroscopique, qu'on appelle aussi champ moyen, est simplement la densité de voitures sur chaque route. Ensuite, on postule que chaque individu va optimiser son comportement par rapport à ce champ moyen. Donc, dans notre exemple, chacun va essayer d'éviter la congestion pour minimiser son temps de parcours. Enfin, et c'est là une étape assez délicate du raisonnement, et je vous laisserai y réfléchir si ce n'est pas clair pendant la journée. Alors, il faut remarquer que ce champ moyen est lui-même simplement issu des actions individuelles. Okay? Et donc, il y a une condition spécifique qu'il doit remplir pour qu'un certain état macroscopique soit réalisable. Il faut en fait que cet état, pour que cet état macroscopique soit réalisable, il faut en fait qu'il soit collectivement reproduit lorsque chaque individu qui l'anticipe se positionne optimalement par rapport à lui. Okay. Donc c'est un peu philosophique, mais bref, ce que vous pouvez peut-être retenir, c'est qu'en mettant ce genre de raisonnement en équation, on peut prévoir les quelques évolutions possibles qui sont les seules raisonnables pour le groupe, et aussi concevoir des méthodes de commande qui cherchent à pousser l'état collectif dans un état désirable, tout en laissant aux individus le soin d'implémenter cet état localement en optimisant leur comportement comme d'habitude. Donc, plus de capteurs et d'objets connectés ouvrent la voie à des systèmes automatisés à grande échelle, qui nous permettront, comme dans notre exemple, on l'espère, de nous déplacer plus efficacement, mais aussi de mieux gérer nos ressources, nos industries, et nous faciliteront nos tâches quotidiennes.
En même temps, il nous reste beaucoup de travail à accomplir et de recherche à mener. Aujourd'hui, quand vous entendez parler de l'Internet des objets, c'est surtout l'infrastructure qui supportera ces services qui est en train d'être mise en place. L'intelligence qu'il faut développer sur cette infrastructure, elle, en est à ses tout débuts. Et pour qu'elle se développe de manière socialement acceptable et qu'elle représente un véritable progrès, il faut que les applications qui touchent le monde physique continuent à être développées avec un niveau de fiabilité adéquat, qu'elles prennent en compte la complexité et la richesse des interactions sociales, et surtout qu'elles préservent notre droit fondamental à la confidentialité. Merci.